Hey, hey, hey! Salut! On se retrouve pour la version 2 avec ces messieurs de la vidéo qui a été avec les filles. Donc le titre, vous allez le voir tout de suite. On y va pour les questions! Moi, je m'échappe. Première question. Chercher l'amour ou attendre l'amour? L'amour, frère, complètement. Attends, ouais, mais. Hey, si c'est moi, je vais chercher, perso. Tu cherches? Ah oui, je cherche. Ça met trop de temps à arriver. Ah bah, ça met trop de temps à arriver. Il faut chercher. Attends, il est chaud, lui, va chercher. Moi, j'attends, frère. Mais si tu cherches pas. Si tu... Ouais, mais. Va venir. Ouais, de vrai, voilà. Si tu cherches pas, comment tu veux que ça vienne ouais, aussi voilà. Après, faut pas chercher, Jean, faut pas chercher. Voilà, pour chercher, quoi. Faut voilà. Pas être centré, tu vois. Exactement. Sur... La confiance, frère. T'as la confiance en Dieu, ça va venir. Ça va venir. Il a compris, mais la preuve. C'est oui, vrai. Oui, mais de base, ça va venir. Mais de base, ça veut dire confiance en Dieu. Ça veut dire que tu as demandé. Mm-hmm. Si tu as demandé, ça veut dire que quelque part, tu as cherché. Mm-hmm. Ah non. Moi, perso, je vais chercher. Seigneur, tu connais mon cœur. Je sais vers qui j'irai. Ah là, quoi. Donc tu cherches, mais sans pour autant trop chercher. Voilà, quoi. C'est ça. C'est sûr que tu as ta part un petit peu quand même à faire. Voilà. Ok, deuxième question. Qui fait le premier pas, la femme ou l'homme? L'homme. Ouais. Qu'importe, non? C'est énorme. Pour ma part, moi, c'était un pote. Ouais, bon, en vrai, perso, qu'importe. Hein. Qu'importe. Bon, il y a beaucoup qui diront c'est les hommes. C'est l'homme qui doit faire le premier pas. Est-ce qu'on présente d'abord la famille de la fille ou d'abord la famille du gars? Peu importe, ça dépend. Qu'importe. Qu'importe. Ouais, qu'importe. Je suis d'accord dessus. Ok. Est-ce qu'on parle de mariage avant la présentation des familles ou après la présentation des familles? Avant. T'as pas présenté s'il n'y a pas déjà un projet de mariage. Exactement. C'est vrai pour ça, c'est vrai. Bah, le flirt, c'est mal. C'est pas des copains-copines quand c'est des. Voilà. C'est pas des copains-copines. C'est des relations sérieuses qu'on présente. Si tu te présentes, c'est quand quelque part, tu as discuté d'un projet. Tu vas pas avoir la dame, la monsieur pour dire. Bon, il est possible, hein, je vais avec votre fille, mais bon, ça savoir encore, hein. Mais non. Ensuite, pour vous, quel est le rôle de l'épouse? Faire à manger. Yes. Yes. Oh, je rigole. Non, c'est la blague. Elle a un grand rôle dans l'éducation. Aimer son pas. Aimer son mari. L'aider, le supporter. Oui. Mais nous aussi, notre rapport, c'est l'histoire, c'est donnant. C'est réciproque, je veux dire plutôt. Moi, on a les mêmes rôles, mais à l'échelon différent. Voilà, c'est ça. La Bible te dit, femme. Oh là, ça y est. Bon, c'est logique. Sois une aide pour ton mari. C'est bon, le mec est inspiré. Et là, la Bible te dit aussi, homme, aime ta femme. Donc, si tu aimes ta femme, tu la laisses pas tout faire non plus. Pour vous, pourquoi c'est important de présenter sa femme à sa famille? L'officialisation. Oui, et aussi, ça aide à créer il y a des liens. Le premier lien entre les. Entre ta future femme et la. Et ta belle famille. Et ta belle famille. Parce qu'il y a un, si je peux pas oublier, c'est que tu as vécu avec ta famille toute ta vie, quoi, jusqu'au moins, n'est-ce pas, 22 ans, 24 ans, et puis c'est sûr que c'est, la famille a une part importante. Donc, du coup, tu présentes. Mmh. C'est normal que tu présentes. C'est normal, quoi. C'est la base. Il y a beaucoup de trucs qu'on fait pour le style, mais ça, c'est même pas pour le style, il faut. La base. C'est la base. Est-ce que un chrétien peut draguer une fille? Oui. Non. Et? Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. Non. Ouais, t'as dragué toi? La hein? Ça fait t'as dragué toi? Moi, non. Et alors, non. Il y a draguer et draguer. Le tout, c'est avoir des limites. Elle n'a pas dépassé. Il y a un respect. Certes, je ne l'ai pas fait de compliments déplacés. Non, ça, non. Mais. Et tu ne l'as pas fait non plus à 50 personnes. Voilà, je n'ai pas fait à 50 personnes non plus. Ah oui, mais dans ce cas, c'est plus draguer, c'est aborder, on va dire. Bon, si tu veux, allez, on a abordé. Draguer, moi, je vois ça un peu. Hey, mademoiselle, viens voir, frère. Oui, c'est. Après, voilà, oui, ça dépend. Après, la définition, on donne. Moi, c'est que, voilà. Bon, si tu veux aborder, si tu veux. Pas du tout aborder. Essayer de prendre. Voilà. C'est des liens. Mais draguer, c'est trop. Allez, voilà, je veux. Trop brut. Ouais, trop brut. C'est... Allez, voilà. Ensuite, est-ce que vous avez un mot pour les hommes? Vous êtes le pilier de votre foyer. Merci d'avoir regardé la vidéo. T'as du mal. Qui veut faire? Vite, le transcripteur, quelqu'un. Jassav. Tu fais une traduction. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. On se retrouve pour N'oubliez une nouvelle N'oubliez pas de liker, vidéo. De mettre des commentaires. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Et bonne bisous.